Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue. Bienvenue dans Schneck Pass. Schneck Pass avec Doodle qui sont là, ils sont mignons. C'est le couple le plus adorable de toute la websphère, hein, de toute la YouTube sphère. Braves gens, ils sont tellement mignons, ça ne veut rien dire. On ne sait absolument pas de quelle sexualité ils font partie, mais on s'en fout, ils sont juste tellement mignons. Et on se plonge dans les ruines rôties. C'est ça qui est bon. Alors on m'a dit sur le chat entre deux épisodes que Schneck en alsacien, ça veut dire escargot. Et comme c'est quelque chose qui est baveux, ben voilà, ça parle mal. Schneck, ton nom veut dire escargot? Ah oui, moi j'aime bien. Ils se traînent la queue tout le temps, ils sont comme moi. Je vais même pas faire de commentaires. Pourquoi? Parce que tu pues du bec? Ah bah t'as la langue bien pendue aujourd'hui. Je les visualise comme ça en fait, Schneck et Doodle, à se parler, à toujours se faire des jeux de mots à la con. Genre, il est où Doodle? Il bat de l'aile. Ah putain. Mais des jeux de mots pourris et tout mignons, tu sais. Des jeux de mots pourris et tout mignons. Mais ce jeu n'est tellement pas mignon. Vous remarquez qu'il y a une constante hein, sur Fantavo Games. C'est que je fais des jeux qui sont a priori tout mignons, genre Peggle et tout. Mais il y a toujours un léger sous-entendu derrière. Voilà. Comme l'activation de ce levier. Il suffisait de pousser très fort avec sa queue. Impeccable. Hop. Voilà. Il est beaucoup trop content. Oula, ça passe pas là. Ça ne passe pas. Alors je rappelle que l'objectif d'aujourd'hui est de récupérer toutes les couilles bleues et les pièces de monnaie. Les délicieuses pièces. Snack, tu m'as jamais dit ce que tu comptais faire avec tout cet argent? Des chaussures! Je veux des chaussures! J'adore les chaussures! Mais Snack, pourquoi tu voudrais acheter des chaussures? Je veux des escarpins. Snack qui veut acheter des bottes, quoi? Schneck qui veut acheter les bottes. Et si vous voulez passer, si vous voulez garder ce scénario et faire en sorte que le scénario devienne ultra dark, c'est... Mais t'as pas besoin de chaussures, Schneck. Tu n'es pas... T'as pas besoin de bottes, tu n'as pas de pieds. Ah non, non, c'est pas pour les porter, c'est pour retrouver ma famille. Chaque année, des millions de serpents sont... C'est dégueulasse. C'est terrible. Vous avez vu à quel point c'est devenu dark vite. Alors on m'a dit par contre que j'avais oublié un truc par là-bas. Donc on va essayer d'observer la situation. Non, je suis en train de tomber là. Non, je suis en train de tomber là. C'est inacceptable. Si tu veux bien m'aider à soulever un tout petit peu, genre, un tout petit peu, genre, pas de grand chose, non, non. Oh là là, les mouvements latéraux. Bon. 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 Le levier a dû activer un truc. Mais le problème, c'est que je vois pas ce que le levier a activé, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux activer ce levier à l'infini? Qu'est-ce qui se passe? Ah! Attends. Ah, d'accord. C'est un ascenseur, très bien. C'est un élévateur, Schneck. Un quoi? Un ascenseur. Ah, voilà. Oula, c'est instable. Alors,
Est-ce qu'il redescend seulement ou pas du tout? Parce que je me demande s'il y avait quelque chose au-dessus, en fait. Enfin. C'est pas grave. Bonjour, madame la coccinelle. Ah, ah bah non. Ah bah non, elle est partie. Ah, je suis déception. Impeccable. Alors ça, tu vois, ça mène à quelque chose, ça j'en suis sûr. Pas mal. Ah, c'est temporaire. Oh. Ok, très bien. Donc là, pour l'instant, je suis en train de me prendre des petits raccourcis, chers amis, qui sont à la fois risqués et dangereux, du moins c'est ce que je qualifierais, mais en dessous, il n'y a rien. Je regarde en dessous, en fait, il y a beaucoup de pierres et beaucoup de flammes. Hop, voilà. Impeccable. Impeccable. Ce Schneck qui traverse toutes les épreuves, mais comme un héros. J'entends du bling en haut. Il devrait y avoir un Chaos Emerald pas loin. Ah, je suis en train de tomber. J'arrive pas à monter, hein. Allez, prise de risque. Ouah. Ouah. Ah. Ah. Oui. Ok, très bien. Eh ben, c'est complexe quand même ce niveau, hein. Ça se fout pas de ta gueule, hein. Ça se fout pas de ta gueule, ça se fout pas de ta gueule. Snake, bro. Ça va, Snake, bro, ça va. Et tu penses qu'elle servait à quoi, cette roue, honnêtement? Tu penses qu'elle active quoi parce qu'elle tourne au pif, là? Oh, c'est juste une représentation artistique du complexe militaro-industriel américain et de sa suprématie sur le monde moderne. Et comment tu sais ça? Oh, j'ai un doctorat en art et histoire et sciences militaires. Ah, on me dit qu'il y avait un passage au niveau des machins qui montent. Oh putain. C'est tendu, hein. En même temps, c'est tendu, hein. Non, là, par là. Par là, voilà. Le petit mouvement en serpentage. Impeccable. Donc, il n'y a pas d'autre passage. Il y en a un en dessous, mais il y en a un au-dessus. Et en même temps, tu dis qu'au niveau de la roue, il y avait un passage. J'aimerais bien pouvoir observer ça. Malheureusement, ça va être très difficile. Écoute, on a le temps. On est encore au début d'épisode. Allez. Hop. On va serpenter et on va remonter en haut. Même si ça prend du temps. Voilà. Impeccable. On a même sauvegardé, donc là on est safe.
qu'il y a un passage au niveau de la roue, là. Moi, je pense que c'est des conneries, mais écoute, on va en bas. Oula, oula, je suis en train de tomber. Oh, la pièce! Oh là-bas, il y a une pièce! Comment je l'atteins? C'est la grande question de ma vie. Réfléchis, Bob, réfléchis. Attends, une seconde. Vas-y. Voilà. On devrait faire descendre l'ascenseur, normalement. Voilà. Allez. Oui, parce qu'il fait deux fois l'aller. Au début, je pensais qu'il le faisait qu'une fois. Mais voilà, j'y suis. J'y suis, on est bien, on serre. Oh là là. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Ça, c'est beau, putain. Oh, elle est belle. Oh, elle est sublime. Oh, elle fait plaisir. Impeccable. Ah. Et ben on peut aisément serpenter et retourner là. Attends, là il y a un petit symbole, il y a rien là. Ouais, il y a rien. Je sais bien, il y a des symboles de poissons partout. Quoi que ça ressemble plus à une flamme, tu me diras. C'est très tribal. Allez. Ceci m'a l'air délicieusement compliqué. Petit demi-tour. Et PGMification. Allez, c'est parti. MLG Snake. Esquive de la difficulté. Contournement du problème. Désarmement de la situation. Non létal. C'est bon. Et voilà. Marouflage. Marouflication. Bon, par contre, j'avoue qu'après là, j'ai plus d'idées là. Je n'ai malheureusement plus d'idées. Il doit y avoir un levier, quelque chose qui traîne forcément. Allons-y, par là. Ah, c'est la fin du niveau. Ok. Oula. Alors, sans doute par là. Impeccable. Oh non! Non! Oh non, revenez, Madame Lapierre! Ah, elle est là. Impeccable. Hey! Il y a un passage inférieur qui mène à des côtés inexplorés et inexplorables. On y retournera. Pour l'instant, on va monter. Y mettre la tête. Je voudrais y plonger la tête la première, c'est pas possible. Non, ce n'est malheureusement pas possible. Ah, un levier là-bas. Ça chauffe en dessous. C'est quand même assez risqué. Oh, une pierre soleil.
Qu'est-ce que j'ai foutu? D'accord. Ok. Très bien. Oh non, je vais me faire engueuler par le général. J'ai détruit toute l'infrastructure. Effectivement, Schneck a détruit tout le mobilier. Oh la pièce! Oh là 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 là! Ça c'est gratuit ça. Absolument gratuit. C'est bon, c'est bon. On essaye. Alors. Allez. Eh mais attends, ils sont éteints là les charbons ou... Ah oui, ils sont éteints, je peux passer dessus. Super. Les charbons ont été détruits, je peux donc passer sur les charbons ardents. Moi qui faisais attention. Barre-toi le criquet. Très bien. Pas de passage secret, malheureusement. C'est dommage, hein, parce que je fouille, hein. Je fouille, brave Jean, merde. Hop, hop, hop. Allez, vas-y. On serre bien, on serre. Allez, on serre comme une arrestation abusive. Oh, c'est beau, ça. Ah merde. Demi-tour. Oui, vas-y, installe ce que tu veux. Liberté. Égalité. Et rien du tout. Faut que tu continues de bosser, Schneck. Je travaille. Ah, ouais. Ok, donc on va remonter là-haut, vite fait, ça va se faire vite, regardez, hop. Regardez, le temps que j'arrive sur le KU, il devrait être ressorti. Voilà. KU, c'est calculé. Oula, oula, oula. Par contre, ça, par contre, c'est hasardeux. C'est hasardeux. Ah, voilà. C'est bon, impeccable. Super, là. Non, 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 non. Voilà, impeccable. Phew, plus que 6. Plus que 6, brave Jean. Et dans ce pays avec le Chaos Emerald de là-bas, il est probable qu'on le trouve. Bon, et ben tombons, prenons le point de sauvegarde, ne faisons pas l'abruti. Voilà, ça y est, c'est bon. Et serpenton. Par où faut passer? Par là. Très bien. Par là. Hop. Si je monte à ce poteau, ça mène à la fin. Très bien. Donc il faut que je passe par là. Très bien. Donc là, il y a une grande mare. Est-ce que j'y suis allé dans cette grande mare? Ouais, il y a un poisson. Ouais. Trop bien. Alors du coup, par contre, est-ce que j'y suis allé dans cette flotte? Non, hein. Il y a l'air d'avoir des... Ah quoi que si, c'est le moulin. C'est le moulin à flotte. Je ne me souviens plus. On pourrait y faire un tour éventuellement. Très bien. Oui, surtout qu'après, on peut remonter. Donc écoute, allons-y. Par là, vas-y, nage.
Nage, mon beau, nage. Vas-y. Embarre-toi, le thon. Après les forces spéciales, c'est les forces schnexiales. La schnexion spéciale. Hop. Ah, 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 ça ressemble à un lieu avec une pièce, ça. Oh oui. L'argent. L'histoire trop tragique. L'argent, chaque pièce me rapproche un peu plus des restes de ma maman. Le schneck, qui ne fait même pas ça pour la vendetta, mais juste ça dans le respect aux morts, c'est bon. Allez, impeccable. Voilà, vas-y, monte. Vas-y. Impeccable. Le schneck qui n'en veut même pas au marchand de chaussures. Ah, j'y suis, hein, infini. Infini, infini. Oui, il y a des gros pics là quand même. Hein. Et beaucoup de... Bon, écoute. Réfléchis, ça va être une énigme à la con, ça encore. Hein. Ça va être une énigme, elle va être bien chiante. Alors, je vais y penser à plusieurs fois, Schneck. Eh ben attends, t'es parfait là. Ah non, 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 non. Ah. Voilà, on est parfait là. On est parfait. On est parfait parce que... Oh putain, attends, il y a le bignou qui est juste là. Ce serait dommage de pas saucer. Voilà. Surtout quand il ne reste que 3. Hein. Que 3 et combien de pièces? 2 pièces. Hein, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Ok. Voilà, on est bien. Voilà, plus que 2. Allez, je l'ai. Super, un gros Chaos Emerald. Ensuite, je regarde s'il n'y a pas sur les façades cachées. Genre... Oh, 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 j'ai pas sursauté, je vais chauffer. Tu t'es chauffé à ta stique. Oh, toi, ça va, ferme ta gueule. Et toi, ferme ton pack. Mais du coup, on a entendu un bon gros corbac, hein, si ça tenait qu'à moi. Tout ceci est légèrement inquiétant pour notre ami Schneck. Oh là là, MLG. Pro Schneck édition. Dernière boule. Est-ce que je peux plonger? Et il me manquerait qu'une pièce, hein. Yeah. Ah non, il m'en manque une. Ah merde, il me manque une boule. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Elle doit être cachée quelque part.
la terribilité de ce jeu. L'injustice. Le fait de ne pas avoir de détecteur à couilles, c'est terrible. Oh, elle est là! Elle est là, elle est là! Impeccable. L'honneur est sauf! L'honneur est sauf! L'honneur est sauf, brave Jean. Allez. 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 Phew. Le snack est là. Je le vois. Il m'appelle. Où est-ce que pourrait être, où pourrait se trouver la dernière pièce, brave Jean? Alors j'ai beau regarder... Non... Malheureusement pas sur les côtés, pas sur les bords, pas en dessous... Tant pis! On ne saura pas! On ne saura pas, brave Jean. Il est temps pour nous, cependant, de rejoindre le Valachnok. Avec un développement. Peut-être une attaque des corbeaux de la Corée du Nord. Les corbeaux du Nord. Schneck, c'est Jésus qui te parle. Tu dois gagner la guerre face aux pédo-nazis. Les pédopsychiatres comptent sur toi, Schneck. Hein, quoi? Pardon, que se passe-t-il? J'écoutais pas. Oh, j'espère que c'était pas important. Ah, bon, c'est pas grave. Oui, portez-moi. Oh là là. Avec King Jomcro qui nous regarde et qui attend pour dévorer notre Schneck. Royaume de Cinder, monde contre la monde déverrouillé. Tu peux m'assurer d'acheter le monde contre la monde. Super, très bien. Vas-y, on est bien. Et du coup, le royaume de Blowy... Oui, c'est pour sucer les Schneck, Blowy. Va dans la falaise flottrie. Voyons voir s'il y a une nouvelle musique qui vient. Voyons voir s'il y a une nouvelle musique qui vient pour le plaisir. Je le vois. Oui, oui, c'est le Valachnok. Où sont mes chaussures? Je veux des chaussures. Maman, j'arrive. Maman. Oui.